Bonjour, je suis Violaine Raguin, je suis responsable de la prépa design et digital à l'Institut Artline. Alors j'ai une formation à l'origine d'architecture intérieure et de design mobilier que j'ai complétée ensuite avec un master de cinéma d'animation 3D et j'ai donc intégré une agence de retail design pour combiner un peu les deux et j'ai été designer 3D. J'ai travaillé pendant 7 ans au sein de l'agence Malherbe à Paris, qui est une agence de retail design. J'ai longtemps été dans l'équipe Dior, donc 5 ans dans l'équipe Dior, puis après je me suis un peu diversifiée pour LVMH globalement et j'ai rejoint l'Institut Artline en 2017. La prépa design et digital, qui est en fait une première année de bachelor, c'est un tronc commun qui permet aux apprenants qui sortent de bac ou qui n'ont pas encore des notions dans ces domaines-là, de découvrir un petit peu tous les aspects de la créativité. Et en fait, c'est très condensé, mais c'est de manière ludique, ce qui fait que ça s'apprend avec aisance. Et donc, ils vont toucher au dessin, perspective, à tout ce qui est un peu digital, Photoshop, Illustrator, mise en page. Ils vont faire un peu le tour d'horizon de toutes ces matières-là avant de pouvoir s'orienter vers le cursus qui leur est le plus adapté. Le plus d'Artline, c'est réellement que dès la première année, le travail à distance les oblige à s'organiser dans leur travail, à acquérir en fait tout de suite les bonnes attitudes professionnelles et de pas être juste des étudiants encore un peu scolaires. On est vraiment dans la professionnalisation. La prépa, c'est une année de découverte. Donc, que vous soyez en reconversion professionnelle, que vous soyez jeune bachelier, quel que soit votre bagage, en fait, venez comme vous êtes. N'ayez surtout pas peur de pas être à la hauteur ou de trucs comme ça. On est là pour vous apprendre, on est là pour vous accompagner. Et pour nous, c'est juste le plaisir de vous avoir avec votre motivation, votre passion. Et on vous accompagne tout le long du chemin jusqu'à ce que vous soyez en entreprise. Get up.